Après, je remonte à Port-la-Grèce pour mes légumes. Les barres, je les garde d'un côté. Ouais. Donc, ah oui, là, c'est comme ça. Donc, le lièvre à la royale avec une poêlée de chourave. Je vous remercie. Et c'est parfait. C'est tout. Le plat il est là, il y a les légumes, il y a la viande, il y a tout. C'est tout. Il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, bon appétit. Hein. Ans d'expérience professionnelle, plusieurs médailles, 2 macarons au guide Michelin et 17 sur 20 au Goémilie. Chaque chef est marqué par une spécialité, tous les grands chefs sont comme ça. Mais c'est vrai que chez nous, c'était le lièvre à la royale, c'était le blanc-manger de sol au caviar, ça c'était un grand moment évidemment. La carpe à la chandeleur, donc j'ai un design là-dessus, j'ai un nom. Merci, messieurs. Le lièvre à la royale, donc ça c'est la version début du XXe siècle. Et sur le côté, vous avez un petit peu de truffe noire de Touraine avec des petits rubans de céleri. Bonjour chef. Bonjour jeune homme. Bah, si vous voulez profiter d'un petit essai, je suis en train de faire un petit essai sur l'instant. Alors vous retrouvez ici, madame, monsieur, le lièvre à la royale, donc voilà, travaillé façon Antonin Carême, donc complètement désossé, garni d'une farce lièvre foie gras qui cuit 12 heures, c'est vraiment très fondant. Et la sauce, elle est travaillée en réduction, donc c'est pour ça qu'elle a cette couleur très marquée, vraiment très concentrée. Sur le dessus, on est sur la truffe, la mélanosporum, la truffe noire, ça y est, c'est le début, on arrive à en avoir. Et vous retrouvez également donc les tagliatelles fraîches maison à la truffe, également avec un petit râpé de châtaigne sur le dessus.
vous laisse découvrir pour la surprise. D'accord. En plus, c'est une surprise. Bon, ouais, ça, tu sens que c'est du lièvre. Hein. Ouais, tu sens que c'est du lièvre. Non, mais c'est pas droit. C'est pas grave. Un peu là. Je venais pour vous, on va vous remettre des couverts. Merci.